Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous faire la présentation d'un livre donc, qui s'appelle Le Livre des Ombres pour sorcières modernes. Il est de Deborah Black, édition Vega, au prix de 22 euros, édition Trédaniel. Donc alors, votre guide pour devenir une sorcière moderne accomplie. Un livre des ombres est le journal intime dans lequel la sorcière note tous ses rituels. De la même façon que cet ouvrage rassemble toutes les informations utiles aux personnes désireuses de s'initier aux pratiques magiques. Avec humour, Deborah Black partage ici ses connaissances sur les herbes, les pierres, les sorts, la magie des bougies ou encore la divination. Vous y rencontrerez des dieux et des déesses, y découvrirez des recettes et des invocations puissantes, et explorerez, oui, j'ai bien dit, diverses façons de célébrer les fêtes païennes. Pour chaque thème abordé, des lignes vierges vous permettront d'écrire vos expériences afin de personnaliser le livre pour qu'il devienne votre propre livre des ombres. Vous avez entre les mains l'outil idéal pour rendre votre pratique de la sorcellerie plus facile, simple et amusante. Il va sans dire que Deborah Black est elle-même une sorcière moderne, auteure de nombreux ouvrages sur la sorcellerie. Elle vit dans une maison de ferme vieille de 130 ans dans l'État de New York, entourée de chats qui supervisent ses activités, qu'elles soient magiques ou ordinaires. On va ouvrir cette merveille. Qu'est-ce que ça nous dit là? Les illustrations, je pense que c'est elle aussi. Que ce livre soit béni au nom de Dieu et de la déesse, qui guide mes pas sur la voie de la beauté. Puisse-t-il imprégner de sagesse et de connaissance, puisse-je ne. C'est dur à lire, puisse-je ne l'utiliser que pour faire le bien. Puisse-je le partager avec ceux qui en ont besoin. Puisse-t-il m'aider à grandir dans ma pratique et dans ma vie, qu'il en soit ainsi. Alors, nous avons une introduction. Après, ça parle des herbes. Des herbes, les pierres, les bougies, les recettes magiques, la divination, les dieux et les déesses, les invocations et bénédictions aux points cardinaux, les sortilèges. Les rituels, les recettes, les correspondances à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. C'est ce que je voulais savoir tout de suite. Alors, Mickey Muller, si je ne dis pas de bêtises. Bon, donc, on va parcourir ce beau livre. Une introduction. Comment utiliser cet ouvrage? Ceci est votre ouvrage, remplissez-le de votre magie. Les herbes. Quelques herbes préférées et leur utilisation. La nette, l'armoise, l'ail, basilic, calendula, camomille, cannelle, chatter, citron, eucalyptus, géranium, gingembre, lavande, mélisse, menthe poivrée, persil, pomme, romarin. J'ajoute de l'huile essentielle de romarin à un diffuseur grand. J'ai besoin de me concentrer. La sauge, le thym. Achillée, mille feuilles, mise en garde. Comment utiliser les herbes, les potirons
Et vous avez des espaces pour écrire vos volantes sorcières, les tisanes, tisanes de guérison, les oncles, crème et baume, les bains, bains de beauté, les sprays de douche, les encens, les oreillers, pochons, épopées, faire sécher les herbes, les pierres. Ah, j'adore les pierres. J'adore. Agate, ambre, améthyste. J'ai une pierre améthyste collier et aussi une pierre qu'on pose où on veut. Aventurine, cornaline, citrine, cristal de roche, fluorite, grenat, hématite, jade, jaspe, jaïs, lapis, lazuli, ou lapis, je sais pas comment on dit, malachite, pierre de lune, onyx, quelques substituts bon marché. Quartz rose, j'en ai également un en collier. Quartz fumé, sodalite, œil de tigre, turquoise. Les pierres sous toutes leurs formes. La provenance des pierres, c'est intéressant. Comment utiliser les pierres? Alors, renforcer l'intention des sortilèges et des rituels, pochons et oreillers sur l'autel, stimuler ou modifier l'énergie de votre maison, travail de guérison dans votre poche, en décoration, comment purifier les pierres. Là, ils disent de les recharger à la pleine lune, à la lumière du soleil aussi. Les bougies. C'est vraiment un livre super sympa. Je l'aime beaucoup. Les recettes magiques. Les huiles magiques. Les pochons. Vous pouvez vraiment vous l'approprier. La divination. Les tarots. Les oracles. Les runes. La voyance. Les pendules. La divination par les rêves. Les dieux et les déesses. Les entendre. Les dieux et déesses selon leurs attributs. Les divinités protectrices, les déesses de la lune et les déesses des sorcières. Les invocations et les bénédictions aux points cardinaux. Invocation générale, invocation solitaire de la déesse à la pleine lune. Invocation collective de la déesse à la pleine lune, invocation de la déesse à la nouvelle lune, lune sombre, invocation de multiples déesses, invocation de Dieu et de la déesse pour les sabbats, Imbolc, équinoxe du printemps, Beltane, solstice d'été, Lugnasad, équinoxe d'automne, Samhain, Yule, les bénédictions aux points cardinaux. Sud-ouest, nord et est. Bénédiction aux points cardinaux, simple et remerciement. Bénédiction aux points cardinaux pour le printemps, est, sud-ouest, nord. Bénédiction aux points cardinaux pour l'été, est, sud-ouest, nord. Et on a ça pour toutes les saisons. Remerciement classique. Les sortilèges, quelques règles de conduite, ne faire de mal à personne, ne jamais faire de sortilège qui affectera d'autres personnes positivement ou négativement sans leur permission.
Ne pas lancer de sortilèges pour vous amuser ou pour frimer. Checklist pour vos sortilèges. Objectif, timing, dieu, déesse, divinité, extra facultatif, le sortilège. Les sortilèges et la lune. La magie et les jours de la semaine. C'est élémentaire, mon cher Watson. Quelques sortilèges de base. La guérison, la prospérité, la protection, l'amour. Bénir le livre, un livre des ombres. Quelques autres sortilèges utiles. Calme et sérénité. Force. Sagesse et guidance. Équilibre, inspiration et créativité. Bannissement. Sortilège général, rapide et facile. Les kits de sortilège. Il y a pas mal de pages pour écrire. Les rituels. Les éléments d'un rituel. Que dirige le rituel? Rituel en solitaire ou en groupe. Rituel simple de pleine lune. Rituel simple pour les sabbats. Rituel simple pour faire de la magie. Le silence est d'or. Les recettes. Plein de petites, les gâteaux, cookies au citron. Ça doit être bon, ça. Pain facile sans pétrissage. Fraises trempées dans du chocolat, miam miam. Décadence de lune sombre. Sympa, des petites recettes aussi. Cuisine des sorcières. Ingrédients de référence en cuisine de sorcière. Pesto de prospérité. Chips d'amour, fraises rhubarbe. Enfin, vous voyez, un tas de trucs. Un tas de trucs. Faites-vous plaisir. Utilisez aussi ce livre pour faire la cuisine. Un avertissement. Les correspondances. La guérison et la paix. L'amour. Prospérité et l'abondance, protection. Un à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice. Et voilà, moi je trouve ce livre super sympa. Franchement, ça parle de tout. Donc c'est bien qu'il y ait des rituels, il parle des herbes, des pierres. Il parle de la divination, tarot, oracle, non, il parle un peu de tout, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.